Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Et bien bah, c'est reparti, c'est parti pour une nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, que vous avez passé un bon week-end. Euh, Aujourd'hui, je suis avec vous, mais comment ça va À tes souhaits. Et du rasoir. Et bien ça va, ça va, ça va. Je suis tondue, mais ça va. <laughs> tondue ou tondue <laughs> Je suis toute tournue et prête pour live. <laughs> je sais... Mais que va-t-il se passer? Euh, Il bah, je... y a plein de gens à toi qui nous ont rejoints oui sur YouTube. Je, je vois vous... plein de nouveaux noms que je connais pas. Je vous vois, je vous vois. Bisous. <laughs> ah, et bah, la tournée des bisous, du coup, bonjour à Wayne, Galadriel, Jubé, Persephonia, euh, Céline, Philippe, Thierry. Habituée. Euh... Du côté Adobe, euh, Lucie, Bulle de Neige. C'est toujours trop marrant les pseudos des gens, c'est impossible à prononcer, mais euh, Manon, Thomas, Elven, Laurine, Chayaga. Et il euh, y a... Oulala, là là, ça arrive, ça arrive. Oui. Y a... <laughs> vous partagez le lien pour nous rejoindre sur le chat de Beyance, si vous voulez. Parce qu'en en fait, si vous êtes un peu artiste et tout, ça nous permet de vous stalker et de voir ce que vous faites. Et on aime bien. Allez sur Biens. Et sur Biens, il euh, y a plus les habitués. Euh, voilà, c'est un peu différent. Euh, du coup, la tournée des bisous sur Biens. Bonjour à Marion, Delphine, Sessoun, euh, Alexandre, Loco, Franck, Fifi, La Mort, Ticognio, Camille, Oh là là, il y a du monde aujourd'hui là. Hein. Joël, Greg, là là. Etienne, Héloïse. <laughs> et Pourquoi tu dis ça Ça fait peur. <laughs> Virginie, Emmanuel. Voilà. Donc, euh, bienvenue à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant le live. Euh, voilà, on est là pour ça. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire euh... euh, C'était bien bisous, revoir. <laughs> non, 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 non. Tu restes là. Non, la non, 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 non. Tu restes là. Ils sont là pour toi. Alors euh, voilà. <coughs> Laurie qui dit :« On est là pour te soutenir. » C'est quand même trop mignon. Mais oui. <laughs> alors, est-ce que tu nous ferais une petite présentation rapide Comment tu te présenterais en deux minutes Yolo. <rire> <rire> non. Euh, du coup, moi, c'est KME. Euh, je suis freelance depuis euh, très longtemps. J'ai fait un petit passage éclair euh, de trois ans euh, au sein d'Ankara et euh, je suis autodidacte. Voilà en gros. J'ai un parcours euh, complètement... Euh, complètement what the fuck. Oui. Alors je suis désolée si vous entendez quelqu'un derrière, c'est parce que j'ai mon homme qui est en réunion, qui a même pas de mètres ah non, t'inquiète. pas euh... faire autrement. Non, non, euh, franchement, on ne l'entend pas. Ça, le micro capte pas. Oui, le... il, il a dit qu'il ferait attention. Aujourd'hui, c'est moi la priorité. Voilà. <laughs> euh, du coup, voilà. Euh... Artiste freelance. J'ai commencé en 2008. Euh, de 2014 okay. à 2017, j'étais chez Ankama. Et depuis 2017, je bosse sur euh, ma BD. Ok. Depuis enfin, 2018, du coup. Je bosse sur ma BD, une BD qui euh, est dans ma tête depuis 23 ans. Oh là 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 Oui hein. bizarre de sortir. <laughs> bah écoute, tu vas plus nous en parler. Mais déjà, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble pour se donner une idée pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, du coup, Alexandre va nous lancer le partage de ton écran. Yes, je vois que c'est partagé. Yes. Euh, donc, je fais ça. <laughs> donc, là, de toute façon, vous verrez principalement de l'illustration. Et euh, des commissions aussi bien pour particuliers que pour, euh, pour des indés ou des, même des pros. Cool, hein. Donc, on va éviter tout ce qui est notre Safe for Work, hein, tout ce qui est euh, TTLR, tout ça, parce que c'est aussi euh, <laughs> une de mes spécialités, ah, n'est-ce ah, pas ah, okay. <laughs> bah, De toute façon, Alexandre va partager le lien de ton, de ton portfolio, comme ça on pourra aller voir. Euh... Bah, je regarde les gens dans le chat aussi. Coucou les gens 23 ans de gestation. Ça va être le plus beau bébé du monde. Ah, oh, t'es mignonne, gala. Le plus gros bébé du monde. Euh, oui, il, il fait mal l'accouchement. Hein. Euh, oui. Ouais. Euh, euh, <laughs> euh, bah, du coup, ça, c'est les personnes de ma BD. Voilà. Euh, L'héroïne okay. et, et son homme. Donc, c'est de euh, médiéval fantasy, presque dark fantasy. Oui. Donc, on en reparlera un peu. Ça, aussi c'est un perso de ma BD. Euh, ça, c'était une illustre. Alors, je suis aussi partenaire euh, à Renanets. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas ArenaNet, c'est ceux qui ont fait les MMO, RPG, Guild Wars, Guild Wars 2, entre autres. Euh, et depuis, euh, depuis, depuis, depuis... Depuis quelques... Plusieurs mois. Attends, ça fait plein de mois que je suis à... Je sais plus. En 2020. <laughs> 2020 est assez spécial. Hein. <laughs> ça, je crois qu'il n'y a personne qui te dira le contraire. Ça... Donc voilà, je fais des commissions. Donc, ça, c'était une commission. Je sais pas si elle est dans le chat, la copine. Elle a pas l'air. je suis sur YouTube. Donc, des commissions. C'est essentiellement des commissions, des petits challenges, des illustrations perso. Ça, c'est des illustrations perso, là, entre autres. Il y a vraiment de tout. Je vais repasser sur mon portfolio parce que je sais pas quand est-ce qu'on va arriver. Oh, écoute, de toute façon, ce pas grave. Aux images euh... censurées. <laughs> ok. Si... Moi, ça donne envie d'aller voir du coup. Mais. <rire> <rire> on a par exemple, c'est une, une couverture pour un, pour un roman d'une d'une autrice euh, en auto édition. Ok. Euh, on a fait la campagne fin d'année dernière. Euh, on en a d'autres. Hein. On a. Allô, il est où celui-là euh, Ça aussi, c'est pour une, euh, un roman en cours d'écriture. Donc euh, voilà. Je suis assez demandée sur les, les romans en auto-édition. C'est marrant. Et du coup, toi, tu. Là, tu lances ta BD. tu Je fais plein de trucs. Je fais des trucs et en même temps, ton style, il est très euh... animation, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses. On en fait, envie... j'appelle ça, ça, le... ça, ça le style hybride. On n'arrive okay. pas à trouver de nom à ce, ce style-là. Euh, écoute, euh, nice. on n'arrive pas de, à trouver de nom de ce, à ce style-là parce que euh, c'est un mélange de toutes les influences qu'on a depuis euh, bah, entre guillemets génération club de Dorothée. Euh, c'est du manga, c'est du comics, c'est du franco-belge. T'as vraiment tout en fait. Et moi, j'appelle ça le style hybride. T'as okay. vraiment, t as du dessin animé, as du, du... c'est un mélange de tout. Bah euh... ça. Quand on voit la vignette de ta BD là où il s'embrasse, on dirait que c'est un screenshot. Euh... Alors ça, c'est fait exprès. <laughs> tu vois, c'est Ça, j'ai plusieurs, plusieurs euh, délires comme ça. J'aime bien. Euh, des fois, j'ai une idée en tête, j'ai un, un passage en tête et j'ai envie de le poser, alors que c'est pas du tout tout de suite. Ça, ça va être dans le tome 3, Enfin bref, on n'y est pas encore, pas ah, dans 10 ans. Et euh, des fois, j'ai besoin de poser ces trucs-là et j'aime bien le faire en mode euh, screenshot de d'animation. Alors, je ne vous cache pas que quand j'aurai fini le... toute la BD, euh, je... je vais y aller en mode YOLO et je vais contacter Peter Jackson. <laughs> on sait ah ouais. jamais. <laughs> Quelqu'un a des contacts de Peter Jackson Allez, on peut. Euh, J'ai déjà eu un premier pré-contact. <laughs> J'ai réfléchi. Ça doit se trouver, hein. ça doit pas être si compliqué que ça. Euh, au non, final. mais je, je, ouais. je, je sais <laughs> par qui passer. J'ai déjà, ouais, euh, <laughs> déjà eu la voix de. C'est pour ça que je parlais du trailer tout à l'heure en, en off. C'est parce que sur le trailer de la, de la BD, parce que j'ai fait un trailer pour ma campagne, il y a la voix française de Galadriel. OK. La vraie. Oh, c'est trop bien, c'est trop marrant. Voilà. Parce que j'ai été au culot. Euh... Alors, il y a Delphine qui dit « C'est super chouette, j'aime beaucoup son style. » Et il y a Rémi qui demande « C'est quoi être partenaire ArenaNet euh... ?» Alors, c'est créatif, partenaire. Donc, en gros, c'est des artistes. Aussi bien, je pense qu'il y a musique... Euh, animation dessin bref euh, c'est un partenariat euh, entre guillemets artistique avec Arena net en gros euh, je fais un contenu mensuel euh, contre euh, alors je peux pas non plus parler de, de ce que ça me rapporte mais en gros il y a des contreparties tout ça tout ça OK oui, je, je pense voilà, que la voilà. question c'est plutôt qu'est-ce que c'est Arena net c'est que... une société euh, qui fait des jeux vidéo <laughs> ok voilà okay. qui ont fait donc Guild Wars 2 Guild Wars euh... alors faut pas que je confonde avec NC Soft mais ouais, ouais. Et Guild Wars 2 de toute façon c'est le principal hein, euh, la campagne est terminée ouais. la campagne de la BD s'est passée sur 45 jours euh, en 2018 donc de septembre à... de, de mi-septembre à début novembre euh, la campagne s'est super bien passée. Euh, je sortais un petit peu de nulle part. Euh, J'avais une toute petite communauté à l'époque. <laughs> et euh, bah, on ne va pas se mentir, le, <laughs> le trailer a fait euh, son boulot et m'a rapporté pas mal de gens. Et j'ai fait un bon, euh, un bon 40K. <laughs> bah, Est-ce qu'on peut le voir, ce trailer Alors, je peux vous le montrer. Ou un bout Il, semblerait... Un Il semblerait que. Euh... Il y a, y a ah. Alex qui fait des signes. Je ne sais pas parler sur les lèvres, mais je ne sais pas lire sur les lèvres. Alors. Voilà. <laughs> oh putain. Pousse levé pour oui, pousse en bas pour non. <laughs> ouais, je oui, en, okay. voilà, en fait, il y a la caméra de Alexandre que nous on continue de voir, mais que vous vous voyez pas. Et il, <laughs> il essaye de nous communiquer des choses, mais oh, franchement, 90% du temps, je suis là genre. Que... Alors, je réponds à Manon du coup dans le chat euh, qui dit tristesse. Aucun souci, le financement me permettra de faire des tirages en plus pour les vendre en ligne, parce qu'il faut savoir que la campagne euh, ne me paye pas. La campagne est là pour euh, payer les impressions. Ce qui va me rapporter sur ma BD après, c'est ce que je vais vendre après. Ok. En gros. Donc euh, oui, il y aura des impressions en plus. Vous inquiétez pas. Alors attendez. Voilà, par euh... contre, là, le truc est vieux. Hein. J'ai. Et du coup, euh, on envoie des bisous à Camille Unknown qui est dans le chat. Il est là euh... Ah Coucou oui <rire> Et... <rire> Qui est venu nous voir il euh, y a, je sais pas, il y a trois semaines un mois, pour parler de Pixel Art. N'hésitez pas à aller jeter un oeil à sa session, c'était rigolo. Je le vois pas, il est où. Il est en live en plus, ah si il est là. <laughs> ouais, écoute, es pour une fois, tu peux en profiter, moi je surveille le chat. Ok. Je tout <laughs> tout, donc, euh... Euh, ça marche si je mets le son. Euh... Euh, non, c'est mieux, tu... bah, mieux que tu lances les images et que tu nous parles par-dessus. Euh, c'est nul, il y a une ça... super musique. Euh, ouais, mais a... on va partager le lien. Alors, si je mets les sous-titres, ça marche. Normalement, ça devrait marcher. Bram. Ah, donc, en fait, c'est un trailer sur lequel on a bossé avec un, avec un... un groupe d'amis musiciens. Euh, je leur ai demandé une musique euh, épique. Euh... Et euh, j'avais une idée en tête. Donc, raconter un bout de la légende euh, de, de ma BD. Donc, ça ne spoile pas. Hein. Vous pouvez aller voir le trailer, ça ne spoile absolument pas la BD. Ça raconte juste, ça met une petite mise en scène, euh, mise en place du truc, il euh, n'y a pas de souci. Et euh, donc, moi, j'ai fait les illustrations. Et en fait, avec un, des... avec un ami, on a euh, bossé pendant quatre mois <laughs> sur After Effects. <laughs> Ah, le bon vieux After Effects. Est-ce qu'on qu a... aime After Effects Non. Il <laughs> y a des gens qui l'aiment, alors on va pas le critiquer. Bah si, Effects. parce que je vois pas avec quoi animer d'autres. Donc, enfin, euh... il y a d'autres trucs, hein, Mais euh, je suis passée sur After Effects et il continue d'animer sur After Effects. Donc bon, c'est que c'est cool, ça hein, marche. Ça hein. Super bien. Hein. Non, mais super beau. Et euh... alors, c'est des vieux dessins. Hein. Les dessins ont déjà 3 ans. <laughs> et euh... donc il y a une super musique épique. Euh... Et coucou Joris, et je crois que j'ai vu passer Step, non C'est ça ah oui, yeah, Step, coucou Step Step que je vous recommande d'ailleurs, Adobe, hein, bisous euh, <laughs> On en reparlera pas. Après. Pour le moment, c'est ton live, alors présente le projet. Coup, euh... Et du coup, euh... ouais, on a passé 4 mois sur le trailer, on n'en pouvait plus, on a rôdé du sang, on a pleuré du sang, on, en pouvait... c c on a presque failli haïr <laughs> le truc. Et puis, ben, on l'a sorti. On a fait même un petit teaser avec... Euh, normalement, si vous remontez sur ma, sur ma chaîne, vous le voyez aussi. Et, euh, et puis, voilà. Et euh, donc, ils nous ont fait... Euh, ils m'ont fait une musique euh, d'enfer. Euh, on a eu la voix donc, française de Galadriel, qui est Déborah Perret. Euh, donc, euh, en tant que grande fan du Seigneur des Anneaux, quand à euh, Galadriel qui vient lire ton texte... <laughs> <laughs> qui n'a pas du tout la même voix d'ailleurs euh, en vrai ok c'est très marrant ouais. donc voilà et puis bah, la campagne s'est bien passée euh, on a fait 40 cas je suis partie très très vite sur la bd parce que j'étais tellement hypée par euh, par le succès que euh, bah, je suis partie euh, comme une noob euh, d'un coup comme ça j'ai fait le storyboard en deux mois euh, J'ai commencé à crayonner, j'avais fait 70 pages, au bout d'un moment je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, on va faire relire à des bêta-testeurs. Donc en fait, en, en gros, la BD, je l'ai recommencé trois fois. Ok. <laughs> je suis latine tryhard. <laughs> ouais, et, du coup, tu très très perfectionniste euh, bah Sur un truc comme ça, oui. En, en, en vrai, quand c'est du boulot perso, je m'en fous euh, si c'est pas à la perfection, si ça va pas jusqu'au bout, je m'en fous. Quand ça commence à partir ouais. sur du pro ou sur un projet beaucoup plus... Euh, euh, bah là, on ne va pas se mentir, hein, c'est le projet de ma vie. Hein. Euh, ouais, je, je cherche à, faire, à donner le maximum de, de ce que je peux donner en fait. Et le problème c'est que comme c'est un marathon sur plusieurs années, euh, bah, tu continues d'évoluer et quand tu arrives à la fin... Euh, d'un truc tu es obligé de regarder le début et tu dis putain il faut que je retape des choses euh... mais bon non, normalement on va essayer de ne pas euh... hop on va fermer ça ça c'est terminé Tiens, ça m'a ouais. rappelle une tips de alors du c'est Raphaël Buzet qu'on a reçu qui est motion designer et lui il dit que quand il commence un je sais plus si c'était lui ou un, un animateur quelqu'un il disait quand il commençait quand il avait un court-métrage d'animation perso en fait, il commençait par animer le milieu. Parce qu'en fait, si tu commences par le début, tu vas te rendre compte au bout de trois mois que c'est de la merde. Oui, et tu vas ouais, ouais. recommencer. Alors que si c'est au milieu, ça va passer. Et les... Bah tu du coup, sur le, le... sur coup, la troisième fois, euh... ouais. sur la troisième fois que j'ai recommencé la BD, ouais, j'ai fait ça. J'ai okay. fait euh, les quelques premières pages, j'ai enchaîné directement sur le milieu, et après j'ai enchaîné sur la fin, et là, je vais repartir sur le début. Comme ça, j'ai un, es... ouais, un style fait, qui reste relativement... Aller, euh... Euh... Ouais. C'est marrant d'être... Hein. C'est fou comme projet. Et du coup, pourquoi, euh, alors attends, question de... Euh, moi, je n'y connais rien, pourquoi vous avez décidé de faire une vidéo pour présenter une BD Ça vous a... Euh... Parce que euh, moi, le gros kiff, ce serait d'avoir une trilogie, un film, tu vois. Non, okay. je sais pas, parce que, parce que j'ai euh, des ambitions démesurées et que euh, quand j'ai un truc en tête, il euh, y a un jour, je me suis dit, tiens, un trailer, ce serait pas mal annoncer ah le truc. Ça s'était fait, euh, je sais que j'étais, euh, je suis pas une des premières à l'avoir fait sur, euh, sur Ulule, mais euh, je sais qu'aujourd'hui, ça se fait beaucoup. À ce moment-là, ça se faisait pas encore tant que ça. Et euh, j'ai dû le voir chez euh, Batsel tu sais, ou toutes les maisons d'édition qui font ça. Maintenant, euh, ça fait un petit moment qu'ils font ça. Et euh, je sais pas trop pourquoi. Euh, je sais pas ce qui m'a ce donné cette idée-là, mais euh, j'avais envie de faire un trailer. Euh. Ouais carrément, mais du coup ça ressemble à une animatique. Encore une fois, on a envie de voir. Comment ah bah ça je... clairement, clairement, quand je balance le trailer encore aujourd'hui, euh, oui, ça ramène encore du monde et, euh, et tant mieux parce que j'arrive à revivre. <laughs> mais oui. Attends, on a plein de messages d'amour. Oui. Trailer Je les vois. Même <laughs> Des vieux dessins, mais c'est toujours beau quand même. <laughs> euh, toujours aussi classe. Et coucou ah, tout c'est magnifique. Alors attends, j'ai vu une question passer, c'était quelqu'un qui nous demandait euh, du coup ton parcours qui, qui était étonné. Tu disais que tu étais autodidacte. Alors, accrochez-vous. Hein. <laughs> euh... Je suis née, non, je euh... rigole. la base, je n'ai absolument aucune formation. C'est-à-dire qu'après le collège, je devais m'orienter me... dans un CAP art graphique soit euh, je devais rentrer dans une école sur dossier. Euh, mon paternel euh, a envoyé mon dossier à la bourre. <laughs> je n'ai pas été retenue. Et il s'est dit, oh, plutôt que d'attendre l'année prochaine et de la faire bosser pendant un an, ou une petite année sabbatique, eh ben on va la mettre en école de secrétariat. <laughs> Vous la voyez, Allez, la secrétaire, là <laughs> Hashtag YOLO. <laughs> Voilà. Yolo, Donc, j'ai fait, faire une... <laughs> drôle, ça. Donc, fait cette année de secrétariat. C'était pas un acte manqué genre, euh... Euh, pff... bah, Écoute, du coup, maintenant, bah, je maîtrise le clavier. Hein. <laughs> <C 'est... rire> bon, je pense pas que j'en avais vraiment besoin, mais bon. Euh... Donc, j'ai fait ma première année. Puis bon, après, euh, la vie a fait que bah, j'ai dû se faire ma deuxième année. Et puis après, il a fallu me sortir du circuit pro pour repartir un peu plus dans le circuit normal. Et... Euh... Euh, ne dites pas, mais je séchais tous les cours. Hein. Et euh... <laughs> du coup, je suis repartie après en première euh, STT, enfin bref, euh, pour essayer de repartir après, pour m'orienter du côté de la fac après, euh, parce que euh, je ne sais pas comment était euh, calculée mon orientation, enfin bref, c'était n'importe quoi. Et euh, arrivé au niveau de la fac, je me suis dit bah, je n'ai pas envie de dessiner en fait. Je suis arrivée dans la, la période creuse. Je me suis dit je vais euh, m'orienter plutôt du côté de, des langues. Et je suis allée, euh, je suis allée en première année. J'ai fait une première année de licence euh, anglais littéraire. Euh, je me débrouillais bien en anglais. Hein. Je suis arrivée là-dedans, tout le monde était bilingue. Je me suis dit bon bah c'est pas pour moi. <laughs> On te traite d'office comme si tu étais bilingue de base. <laughs> Donc non. Euh, et après ça, en fait, j'ai tout lâché et je suis allée bosser et j'ai bossé 7 ans euh, en tant qu'employé libre-service dans une... Euh, une euh, comment euh, Une épicerie fruits-légumes. Voilà. Okay. J'ai vendu des tomates pendant 7 ans. <laughs> comment t'as fait pour 7 ans avant vendre des tomates euh, ça passe ça vite l'intérieur de toi. Ça là. passe très très vite. En fait, je, quand je continuais de faire mes, bah, je faisais mes horaires et puis bah le soir, euh, je geekais et euh, je dessinais euh, de temps en temps quoi. Euh, C'est là que j'ai commencé à prendre tout ce qui était petite commission de particuliers, etc. Et puis au fil des années, je commençais à dire à ma boss, bon bah, il faudra peut-être penser à me remplacer parce que là, euh, moi, j'ai envie de reprendre les études, j'ai envie de voilà. qui à chaque fois, on mettait un petit peu plus de responsabilité. Je finissais par former des, euh, des chefs de magasin, etc. Donc, euh, bon, parce qu'au au bout de sept ans, euh, voilà. Euh, un jour, on m'a même proposé un, un poste de responsable et un appartement de fonction. Enfin, bref, c'est allé loin, quoi. Et puis, euh, et puis un jour, je eu un déclic et je me suis dit euh, je veux bosser dans le jeu vidéo, YOLO. <laughs> Donc, j'ai tout plaqué, je suis allée à Roubaix, je me suis passée en freelance. Chez, donc en auto-entreprise à l'époque. Et j'ai commencé, commencé à gribouiller, plus professionnellement parlant. J'ai eu un premier contact, ça a aidé, j'avais un colloque qui bossait en Kama. Okay. Ça, ça a pas mal aidé. Euh, j'ai commencé à mettre les pieds vrai, euh, au sein d'Ankama en Et proposant le, des, petites, des petits strips BD pour le dev blog d'un de leurs jeux. Au début, j'ai fait ça à titre gracieux. Hein. C'était vraiment euh, là pour le coup, payer la visibilité avec Ankama. Voilà quoi. Ça, ça marchait bien à l'époque ouais. et, euh, et au fur et à mesure en fait j'ai commencé à grappiller pas mal de contacts au sein Kama. et un jour euh, on m'a dit il y a un poste qui va se libérer euh, pour euh, tel jeu j'ai dit ok mais je ne connais absolument pas votre logiciel <laughs> qui était Flash <laughs> ah Flash oui, oui. je une me suis formée sur Flash en un week-end euh, ça n'existe plus Flash on non c'est Animate maintenant bah oui oui c'est Animate une voilà. Petite pensée, minute de silence. Ouais, pour flash. Ça, ça me rend nostalgique. <laughs> J'aimais bien un Flash. <laughs> oui. Euh... Vrai, Animation, ouais, c'était sur Flash. Ouais. Euh, du coup, c'est pas d'animation, c'était vraiment du graphisme, quoi. Okay. J'ai fait une illustration. Bah, je vais les montrer là, d'ailleurs, on va sur Biens pour la peine, pour voir tout ce que j'ai fait en kipa. Ah, c'est marrant parce qu'on voit, on voit vraiment ton évolution, du coup. Et. Euh... Donc voilà, au sein de l'OLCAMA, j'ai fait ça, donc euh, des mobs, des machins, des trucs. Euh, ça, c'était donc un des premiers boulots que j'ai fait euh, donc, pour le jeu, celui-là. Donc ça, c'était sur, euh, sur Photoshop hein, à l'époque. Mais attends, moi, le, il me manque des jeu. éléments là. Tu, tu nous dis que tu, tu t as fait secrétariat et tu as vendu des légumes oui. et que tu es arrivé à ça. En fait, euh, oui. <laughs> tu tu dessinais dans ton coin, c'était quoi euh, Je dessine, dessine depuis toujours. Euh, okay. suis depuis toujours, juste que je le faisais euh, bah, le soir en rentrant du boulot et euh, je me prenais pas la tête. Euh... Et un jour, je me suis dit, bah non, en fait, j'ai envie d'en vivre, j'ai envie de faire quelque chose avec. Et euh, bah, j'ai commencé à faire tout ce, que, ouais, tout ce qui est commission. Donc, les... je sais pas si tu connais un peu le principe des commissions, c'est euh, des commandes auprès des particuliers. <laughs> et, euh... et quand j'ai vu que ça commençait bah, bien décoller, je me suis dit, bah, il y a peut-être moyen que. Et euh... Mais je, je suis comme ça, il y a des moments où j'ai un déclic et je vais dire je veux faire ça, <laughs> et j'y vais. <laughs> je me donne les moyens de. voilà. Donc voilà, ouais, des petits machins faits pour Ankama, euh, bon ça, ça n'a pas été retenu parce que c'était, qu'il y avait des fesses, soit. Bon marrant, d'accord, les ça fesses été... c'est mal. Ça avait été censuré, bah, ça... Dofus et Wakfu ça reste quand même une cible relativement jeune, donc ouais. euh, on évite tout ce qui est... Euh... Voilà. Donc sur BN, c'est beaucoup du... À part cette illustration-là... Ça, c'était il euh... y a combien de temps euh... Euh, Tout ce qui est sur BN, c'est de 2014 à 2017. Ok. Voilà. Et ça, par exemple, c'est une illustration que j'ai faite sur Flash, entièrement. Ok, c'est fou. Euh... Oui, c'est possible. <laughs> non, je l'aime beaucoup, cette illustration. Et, euh... Et du coup, ouais, je me suis formée sur un week-end euh... sur, euh, sur Flash. Euh, j'ai une copine donc, qui, était, euh, qui bossait en interne. Je lui ai dit, écoute, moi, les tutos, les machins, les trucs, je, ça m'énerve. Il faut savoir que je, je n'aime pas les tutos, je n'aime pas regarder les tutos, je dure 5 minutes et ça me... J'ai un espèce de défaut de l'attention qui fait que je... J'y arrive pas. <laughs> je n'aime pas. <laughs> Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est euh, que les gens me montrent comment ils font, sans me dire, bah tu vois, là, je prends tel machin, je prends tel truc. C'est non, tu fais, moi, je regarde et je refais derrière. Voilà, c'est tout. Et en fait, elle m'a fait... montré et euh, je savais utiliser Flash. Okay. <laughs> Donc, j'ai postulé, j'ai été prise. Euh, bon, l'histoire ne dit pas que j'ai foiré mon entretien parce que bah, euh, j'ai vendu des fruits et légumes pendant sept ans, j'ai eu affaire à des clients relous. Donc j'y suis allée un peu en mode bois. <laughs> Pareil, ouais, mon entretien, heureusement, les potes m'ont rattrapé derrière. <laughs> et voilà. Euh, Je suis rentrée en Kama, euh, On m'a mis deux jours euh, sur une pseudo-formation. Et au bout de deux jours, on m'a dit, bah en fait, tu viens en prod parce qu'on est dans la merde. Donc, euh, on a besoin de toi. Allez, go. Et euh, voilà. Ok. Donc... Ans, un kama, puis au bout de trois ans, je me suis dit: euh, bon, zut, j'ai envie de faire ma BD, j'ai pas envie d'avoir 40 ans, d'arriver à 40 ans et me dire: j'ai pas pu faire ma BD. Donc, je plaque tout et je fais ma BD. Okay. <laughs> ne faites pas ça chez vous. Ce qui vous longtemps, hein. <laughs> si vous avez un CDI, gardez-le. <laughs> tu... tu le penses vraiment quand tu dis ça? Euh, non, c'est juste que euh, je, je, je dis que j'y suis allée en modulo, c'est vrai et faux. Je me suis permise de plaquer mon CDI pour faire ma BD parce que derrière, j'ai monsieur qui a un CDI et qui peut assurer. Et euh, s'il n'était pas là, je serais encore en cabas. Et je ferais la BD le soir à 18h. Quoi. Okay. Euh, la BD, c'est dur. <laughs> c'est un marathon. <laughs> Oh non, non, c'est bien sûr, vous faites, vous faites ce que vous avez envie. Hein. Si vous vous sentez le courage, la volonté, surtout, la motivation. Ouais, c'est ça, la passion, c'est avec... pas rigolo, quoi. À partir où c'est pas rigolo, c'est ça. C'est ça. ça. Je crois que c'est un peu le... la règle. Quand c'est rigolo, bah... ça va. Du coup, bah, on va regarder un peu. Donc, ça, c'est sur Flash. Hein. Alors, oui, c'est la team Croquette. <rire> <rire> Ankama est connu pour faire des jeux de mots pourris. Ouais. Nous, on a fait la Team Crockett avec euh, Jenny et James. <laughs> et le miaouz, je ne sais plus comment il s'appelle. Des... Voilà. Ça, c'était un boss avec la version. Euh, tu avais quatre, euh, quatre niveaux différents. Donc, tu avais le niveau, niveau 1 et le boss. Ça, c'est pareil, avec la petite grand-mère et son caniche euh, zombie. Donc voilà, c'était que de la vecto euh, basé sur soit des concepts à euh, moi, soit des concepts de mes collègues. Euh, ça, de mémoire, c'est le concept des collègues. Ça, c'est euh, de la reprise. Enfin bref. Et, euh, vous avez sans doute le lien Biens quelque part. Oui, de toute ouais. façon, il y a Alexandre qui nous, a, qui nous partage tout ça. Il a partagé le lien vers ton, ton trailer aussi, donc on peut aller voir. Euh... Mais il est parfait. Hey. <laughs> Il y a Loco qui nous dit un parcours pour nous dire que tout est possible. Merci. Oui, euh, exactement. Je suis le parfait exemple de euh, quand on veut, on peut. Assez con hein, de dire ça comme ça. Hein. C'est un petit peu. Euh, ça fait un petit peu vieux jeu, euh, mais je vous jure, quand on veut, on peut. Voilà. Moi je serais curieuse de voir des dessins que... Quel niveau tu avais déjà euh, quand tu étais dans ton truc de fruits et légumes, tu vois. Euh... Ah. <laughs> ça, je serais super curieuse de voir ça. Je sais pas si tu as alors, ça en stock. Alors, on peut regarder. Ah, tu je... pas obligé. c'est vraiment toi qui décides. Si, mais... si, si c'est rigolo. rigolo. Euh, alors, je vais chercher ça. Euh, alors, Et 2014. On a... Je peux remonter jusqu'à 2010. Donc, euh, 4 ans avant Kama. Ok. Attention, ça fait mal. <laughs> euh, alors. Ah ouais, mais c'est que des gens qui se font des bisous. <laughs> On va éviter. Je sais pas c'est pourquoi moi. Ah, les commissions, c'est pas mal ça. <laughs> Alors, oh putain, j'ai post. Euh, j'ai du archive avant 2010. Attends, ça va être mieux ça. Ouh là. là, là, là. Est-ce que c'est de l'exclusivité Hmm... <laughs> ou putain, ça fait mal. Alors, ça, c'est mes premières utilisations. Alors, désolée, j'étais pas sur Photoshop au début. Alors, attends, on voit pas. Attends, attends parce que j'ai pas encore cliqué ah, dessus. Sur le deuxième écran. Ok. <laughs> Allez, ouais, euh, y À l'époque, j'ai commencé euh, sur Corel Painter Classique Trop bien. C'est vieux. <laughs> euh, ouais, ouais. Attention les yeux. Ça fait très mal aux yeux. Je suis désolée. Je suis mais vraiment toutes mes confusetés. Euh, oh, c'est moche. Bah, en fait, c'est tellement cool ce que tu fais maintenant que ça, <laughs> ça, ça motive, tu vois. C'est moche. Il y, euh... y avait quelque chose déjà, tu vois. Alors, ah ouais, il y a un progrès qui est incroyable. Mince, euh, où est passé mon, mon dossier? Ouais, J'adore les postes, tu sais, où les gens font les avant-après euh, 10 ans, tu sais, quand ils refont leur dessin d'il y a 10 ans. Euh, tu vois quel âge ton parcours m'intrigue J'ai 37 ans. Je m'y suis prise très tard. Hein. Je suis entrée en Kama. Euh... Euh, C'est quoi Je suis née en 83, je suis rentrée en 2014. Je te laisse faire le calcul. <laughs> ah oui, j'ai je... fait le parcours un peu tard, mais bon. J'avais fait ça aussi. Alors ça, c'était pour mon site à l'époque. Ah c'est cool quand même Donc déjà euh, Déjà des faucons et tout euh... oh, T'avais déjà ton influence et tout C'est techniquement que ça a progressé Mais t'avais déjà ton... Ah bah oui, oh oui. ton univers tu vois Hop Ça c'est pour qui J'ai fait un, un... J'ai fait un dessin pour quelqu'un <laughs> <sais pas> <laughs> Bref ça c'est vieux ça C'est vraiment euh, Avant euh... Ça doit être du 2008, attends, si je regarde les dans les propriétés, c'est du combien ouais, non, mais... euh, Ah non, ça c'est du 2005, c'est du 2005. Ah oui, c'est marqué en bas, 2005. Bah franchement, euh... voilà, voilà. même cool. hein euh, Voilà, <laughs> je ne remontre pas plus. Hein Et Est-ce que tu peux nous parler, alors je trouve qu'il bah, y a les influences qui sont évidentes, mais par exemple, si on retourne sur ton Art Station, moi, ce, que, ce qui m'a marqué, c'est le travail de la lumière. Alors, c'est quelque chose que j'ai euh, commencé à comprendre et à entre guillemets maîtriser l'année dernière. Ok. Euh, il faut savoir qu'avant, j'étais euh, pas du tout à l'aise avec la couleur. Hein. Euh, genre, on regarde. Euh, bah là, forcément, j'en ai pas. On va peut-être aller voir sur euh, Insta. Désolée pour le scroll indéfini. Infini, pardon. Euh... Je. Enfin, toi, par exemple, illustration faite en 2017 pour, ouais. euh, pour, mon... pour ma campagne, pour ma BD. Ouais. Je ne peux plus l'avoir en couleur, cette. Je peux plus l'avoir, hein, cette... <laughs> cette illustration. Je vais enfin, je la refaire. Euh... Mais c'est quoi qui te chafouine? En vrai. Euh... Je sais que ma force à moi, c'est le... les lignes, le line art, ce qu'on appelle le line art. Donc, le... Vraiment, le, le, le... que ce soit le crayonné ou le... la mise au propre. Euh... La gestion des couleurs, en dehors du vert, je ne gère pas. <laughs> je ne sais okay. pas pourquoi. J'ai plus de facilité avec le vert. Le vert et le bleu. Euh... Tout ce qui était lumière, etc. En fait, je m'amusais surtout à faire des, des colos euh, très très simples en aplat, tout, tout, tout bête. Parce que euh, j'arrivais pas, mais je voulais pas. Je détestais faire la couleur. Et puis un jour, quelqu'un dans le chat, <laughs> je ne dirais pas qui, euh, m'a dit Alors j'aime tes liles, mais euh, tes colos desservent ton travail. Et en fait, ça m'a fait un électrochoc parce que c'est quelque chose que je savais, que j'ai que toujours su, et se le faire entendre dire, cette espèce de claque dans la tronche, et euh, c'en est. Euh... Ça m'a du coup travaillé et j'ai fait, euh, fait un petit test que voilà. J'ai fait donc ça, c'était la, la première couleur, c'était le basique. Et en fait, j'ai fait plein d'essais de tests d'ambiance, de. Test d'ambiance de, 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 de lumière, etc. Et euh, du coup, aussi de recherche pour la couleur. Et, euh, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à... Ça se fait pas, hein, hein Stéphane? <laughs> euh, j'ai commencé à, à vraiment chercher euh, comment colo euh, correctement. Enfin, correctement, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire, mais, euh, mais du coup, c'est euh, à partir de là que j'ai commencé vraiment à, à développer euh, ce côté, euh, cette colo-là en fait. Donc voilà. Toi, tu considères ça comme de la colo plus que comme de la lumière. Enfin, tu vois, c'est. A... Il ouais, y a vraiment un travail de, de photo, quoi. C'est marrant. C'était cool non, de voir vidéo où les vidéos où tu as les différents essais. Ouais, celle-là, ouais. process, ouais. sais pas si on la voit mieux sur, euh, sur un station, peut-être. Il y a tous les différents. Euh... Là, on la voit mieux là. Et ouais, je m'étais amusée à ça aussi dans le but d'avoir euh, une ref euh, pour la BD. Ce serait pas mal. Tester ouais. les différentes ambiances. Et tu travailles sur quoi maintenant Photoshop. OK. <laughs> euh, oui, je ne travaille que sur Photoshop. J'ai bien tenté les autres, mais euh, je suis euh, une... Comme les vieux tu sais qui ont leurs habitudes qui veulent pas passer sur autre chose ça ça les perturbe ouais bah après tant si que ça marche c'est ça donc voilà non non je, je bosse que sur photoshop et pour tout ce qui est euh, alors le petit gif les petites animations pareil je fais sur photoshop mais euh, je suis pas du tout du niveau par exemple de camille qui te fait des animations de malades euh, moi je te fais des trucs très basiques à base de euh, bricole ouais c'est un petit peu mon, ma technique. Je bricole. Voilà. Je ne saurais pas euh, donner des cours ou dire euh, pourquoi je fais ça comme ça. Je sais pas. Je le fais. <laughs> okay. C'est intéressant, c'est cool. c'est à l'instinct, quoi. Et euh, je voulais te demander un truc, je ne sais plus ce que j'allais dire. Toi, tu fais des lives sur Twitch aussi. Oui. Ok, et t es, t es, t es en live tous les, tous les combien <laughs> Alors, euh, en temps normal. Euh, je fais trois jours par semaine en ah temps ouais. normal ouais. Euh, bah, maintenant je suis partenaire Twitch donc euh, j'essaie d'enchaîner pas mal euh, en temps normal ouais, c'est trois jours par semaine en général beaucoup le mercredi et le dimanche on a un petit euh, depuis début mars là on a un petit rendez-vous avec une copine qui est dans le chat hein, d'ailleurs euh, on se fait un multi le dimanche soir, une espèce d'atelier où on invite aussi les gens à dessiner avec nous. Et euh, ça marche d'enfer. Euh, les gens sont super motivés, c'est super agréable. Si jamais vous ne voyez pas qui c'est, c'est V4, <laughs> la fille qui balance. <laughs> et euh, après, c'est un petit peu euh, selon les envies. Mais généralement, c'est le, me le mercredi, le vendredi et le dimanche. Yes. Et une fois par mois, je fais un stream le samedi sur toute une journée. Donc là, on l'a fait euh, samedi dernier. Euh, où, euh, avec la communauté, on crée un personnage euh, façon jeu de rôle, fiche de personnage jeu de rôle. Et. Euh, on crée le perso. <laughs> t'es vendu. On crée le perso ensemble et euh, une fois que le personnage est créé, je fais gagner le personnage à quelqu'un de la communauté qui a participé à la création, ça devient son perso et on passe au personnage suivant. Donc vraiment tout plein de, tout plein de petits événements comme ça. Et euh, voilà. Et du coup, tu dessines en live sur Photoshop et tu arrives, yep. arrives à être concentré, à créer non. des trucs en live <laughs> <laughs> Au début, j'y arrivais. Euh, honnêtement, avant d'être partenaire, j'y arrivais parce que j'avais 40, 50 viewers. Et euh, bah, le stream dessin, le stream art, c'est pas comme le stream gaming où t'as euh, 15 000 personnes qui parlent, qui parlent, qui parlent. Il y a toujours ah ouais. des moments de flottement où euh, bah, les gens ont... sont là aussi. Tu les motives. Les... C'est un truc qui est cool avec le, les streams art, c'est que ça, ça fait vraiment cet esprit atelier et les gens, ça les motive à dessiner aussi. Ça les motive à, à, pas forcément à dessiner, à créer. Et, euh, et du coup, au début, j'y arrivais. J'étais concentrée. Je, je pouvais faire. Euh, il y a une fois, j'ai fait deux pages en une journée. Enfin bref, c'est euh, le rush, quoi. Aujourd'hui, entre toutes les bêtises que je raconte euh, et le blabla dans le chat, donc je n'arrive pas à rester focus. Euh, voilà. Je fais du contenu. Euh, je peux travailler, par exemple, les commissions des particuliers en live. Euh... Et euh, là, en ce moment, je fais mes illustrations pour, euh, pour Tipeee et Patreon. Et, euh, et c'est tout, quoi. Là, je ne vais pas ouais. tarder à passer sur la BD. Donc, euh, on verra comment ça se passe, parce que ça fait longtemps que je pas rebossé sur la BD en live. Ouais. Mais, euh... Mais voilà. Ok. Euh, Est-ce que... On peut voir un peu rentrer dans tes petits fichiers Photoshop pour voir comment ça se passe, ton C'est le bordel <laughs> bah Oui, mais c'est pas grave, ça, c'est ton endroit, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut ouvrir euh, Qu'est-ce qu'on peut ouvrir Tiens, on va ouvrir celui-là, il est fat. On ne va rien comprendre à ce qui est écrit dessus. Euh, ouais, hop. Je fais partie de l'équipe qui ne renomme pas ses calques il y a des groupes quand même oui il y a des groupes alors je suis pas bah, il y a des groupes ça je sais utiliser mais euh, tout ce qui est couleur <laughs> sur les trucs c'est mort j'ai l'impression que chaque invité qu'on reçoit nous dit je renomme pas mes calques non fait... c'est une légende hein, les artistes qui renomment leurs calques euh, c'est faux hein. bah en fait c'est que euh, quand on travaille avec d'autres gens oui, ou quoi on partage les fichiers. Je sais que sur celui de ouais. mon illustration de, de Tipeee et Patreon, euh, à chaque fin de mois je l'envoie, mais un, une certaine contrepartie et j'envoie le fichier Photoshop. Alors, euh, le fichier est euh, hein, c'est le bordel. <laughs> Alors, dans quel sens j'ai commencé Déjà, euh, c'est pas ça. Donc, on avait <laughs> le fond, c'est n'importe quoi, euh, sur lequel j'ai claqué une couleur, je ne sais même pas comment je l'ai fait. Ouais. C'est vraiment ça. Hein. Le transfert, c'est un peu magique, c'est un peu comme ça que ça marche. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai cliqué droit, j'ai dit, bon, on va tester. Je, je suis euh, incapable de dire comment j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça. Euh, quand je dis que je suis... Euh... Comment euh, de l'équipe euh, <laughs> qui ne sait pas expliquer. Je fais des machins, des trucs. <laughs> et voilà. Il y a Rémi qui nous dit <laughs> la vie est trop courte pour nommer ses calques. <laughs> Mais on a Greg qui dit je bosse seul et je nomme mes calques. Donc voilà. <laughs> Faites ce qui vous rend content les gens. Ça, en, vrai, en vrai, ça dépend. Ça, ça dépend euh, dans quel état je suis, euh, si j'y pense ou pas. Au bout d'un moment, oui, je vais me perdre et je vais commencer à renommer les calques. Oui. Mais... Euh... Ouais, tu vois, c'est vraiment, vraiment de la bidouille. Euh... Et des fois, je vais retaper des couleurs, des fois, je vais faire des trucs qui sont... Je vais faire des techniques que tu pourrais faire en... Euh quelqu'un euh, qui connaît le logiciel, qui, euh, qui, qui a eu une formation, ou même sans formation, qui, a, qui sait un peu ce qu'il dit, euh, il va dire, bah, ça, tu aurais pu le faire en deux secondes ah oui, ouais, bah, J'ai mis trois jours, et alors C'est Franck, <laughs> le spécialiste. Des tips. Je ne retiens pas. Si, j'ai retenu un truc cette année. Euh, non, c'est l'année dernière. C'est euh, V4 qui me l'a dit. C'est la petite pipette, là, euh, pour aller choper la couleur euh, plutôt ah que oui, de... Même, ouais. Ouais, ouais non, pour aller choper la couleur, plutôt que de remettre ton incrustation en normal et d'aller euh, remettre tout ça en 100% pour aller prendre la couleur ici. Okay. Euh, en fait, euh, attends, je remets tout en incrustation poète-poète là. Euh, en fait, tu vas dans le calque sélectionné là-haut ça te prend la couleur sans calculer l'incrustation, le produit, ah. tout ça sans la calculer. Ah oui, oui. Oh <laughs> ouais, bah après, tu vois, c'est des trucs. Voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Euh... Je, 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 je sais pas, a... j'apprends encore, hein. j'apprends tous les jours euh, et des fois, je découvre des trucs qui m'auraient sauvé la vie il y a longtemps. <laughs> mais bon, Yolo. Ouais, mais je crois que c'est un peu pour tout le monde pareil. Hein. Donc, ça c'était pour cette ILU. Après, une ILU un peu plus euh, rangée. Ah, regardez. Euh, celle de Tipeee du mois dernier, je pense. Il y a une question de Locaux qui demande comment as-tu maîtrisé l'anatomie Avec la pratique. <laughs> okay. C'est bête, hein, mais euh, c'est quelque chose que je répète beaucoup sur les lives. C'est euh, que de la pratique et de l'observation. C'est-à-dire qu'il euh, faut bien comprendre que je fais ça. Littéralement, toute la journée, toute la semaine. J'ai pas de gosse. J'en veux pas. <laughs> J'ai pas d'enfant. Euh, la vie sociale en ce moment, bah, euh, hein, tout le monde a la même. Euh, je fais que ça toute la journée. Je me lève le matin, c'est café, PC direct. Et je décide toute la journée. Ok, à toi, tu penses que tu dessines combien de temps par semaine euh... Bah, si tu prends le fait que euh, je me lève à 10, 11 heures, je me couche très tard, je me lève à 10, 11 heures, euh, je bosse, je dessine jusqu'à midi et demi, je reprends à 14 heures jusqu'à 2 heures du matin, ça toute la journée, toute la semaine, toute l'année, ouais, ça, ça fait beaucoup. Hein. Je peux ouais. te dire des chiffres parce que... <laughs> non, mais en fait, je trouve que c'est important de démystifier le truc de... Ah ouais, mais t'es trop forte, tu dessines trop bien, en fait, il y a un... ouais, un... non, ouais, non, alors ça, c'est aussi quelque beau. chose que je dis beaucoup de, sur mon live, c'est il euh, n'y a pas de talent, il n'y a pas de don, il y a juste de la, du a... travail, c'est que du travail. Oui, je pense qu'il y, y a... Moi, je dirais même, il y a des gens qui sont juste plus rageux que d'autres, en fait. C'est beaucoup d'erreurs, de, de, d'échecs, de, entre guillemets. Hein. Les échecs, c'est pas, pas un mal, hein. les échecs, il faut... Euh... Ça, ça permet de rebondir et de, de se relever et de, de cravacher encore plus. Et euh, mais je ne maîtrise pas toute l'anatomie. Hein. Euh, l'anatomie féminine, je la maîtrise. Parce oui. que, bah, à force, l'anatomie voilà, masculine, euh, je fais n'importe quoi. Parce que je ne dessine pas beaucoup de monsieur, c'est vrai. Okay. Mais euh, un jour, je maîtriserai l'anatomie masculine. Est-ce que tu t'es déjà allé en cours de modèle vivant, par exemple, avec des gens nus et tout Non. Alors si, que... j'en ai fait un, une fois à Ankama. Euh, okay. On m'a traîné dans un cours de, de modèle vivant à Ankama. Et c'était le gros malaise parce que le monsieur, euh, il était très content de voir ma copine. <laughs> Donc je suis jamais retournée. <laughs> bon, partagez vos histoires gênantes de <laughs> modèle vivant. Voilà, donc je ne suis jamais retournée euh, dans ce genre de séance. Et euh, j'ai commencé à euh, vraiment faire des. Euh, du, ce qu'on appelle croquis café. Euh, là, il y a quelques mois, avec euh, un des challenges d'une des, euh, des personnes qui est dans le chat là, euh, qui fait ça tous les matins euh, en live. Et euh, il y a un jour, je me suis dit, j'étais bloquée, comme pas possible. Je me suis dit, bon, allez, je vais quand même essayer. J'avais peur, en fait. Parce que ça te met vraiment devant le... Euh, t'es es, es, chronométrée faut que arrives à rendre la, la, la pose comme... et moi c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire je ne l'ai jamais fait euh, tu vas me dire dessine la tasse, je vais pas réussir à dessiner la tasse euh, j'ai peur de pas y arriver et en fait cette peur me handicape plus qu'autre chose et euh, quand j'ai fait ce premier euh, croquis café euh, bah déjà plutôt que de mettre euh, 15 minutes j'ai mis une heure <laughs> mais le rendu t'es pas dégueu ça va et euh, j'ai commencé il ouais, euh, y, y a quelques mois avant ça, euh... okay. donc beaucoup de pratiques, mais euh... du coup tu prenais des modèles quand même, euh... Euh, pour beaucoup de références, ouais, ouais, ouais. ouais des références, ouais. J ai, j ai... De toute façon les références c'est la base. Hein. Il n'y a pas un seul professionnel aujourd'hui qui n'utilise pas de références. Ouais ouais ça c'est euh... cool de le rappeler parce qu'il y a toujours ce truc, cette idée que tout devrait sortir de notre tête et mmh. c'est vrai que de, tous les artistes nous disent euh, les références. Non, c'est un mythe, hein. l'artiste qui n'utilise pas de ref, c'est faux. Okay. Le seul moment où tu n'utilises pas de référence, c'est parce que tu as l'habitude de faire ce que tu fais et euh, tu es dans ta zone de confort, donc tu n'en as pas besoin. Mais euh, si je vous garantis qu'au bout d'un moment, euh, vous êtes bloqué. Euh... Ouais, donc là, par exemple, pour les ailes et tout, tu prends des références euh... Euh, Pour certaines, ouais. Pour celles qui sont euh, courbées. Euh... Alors attends, Il... mon stylet. Allô, stylet. Et là. Il y a Stéphane qui nous dit le talent c'est l'excuse des feignants. Ça cool comme phrase. Et c'est très bien dit. Mm. Euh, là en gros pour euh, celle-là j'ai pris une ref. Euh, donc celle-là c'est la même hein, parce que j'ai fait la triche du. Ouais. Euh, ah, pour ouais, ouais, okay. ces deux-là j'ai pris une ref. Ouais. Pour Les autres non et je crois que ça se voit un peu. <laughs> Mais voilà c'est tout. Bah ouais une fois que tu as compris de toute façon. Euh... Mais ouais, c'est ça, de toute façon, les rêves. Et il euh, y a Rémi qui demande comment tu sais si ton début, sur laquelle tu as passé trois jours, est bien. <laughs> eh bien, tu le sais pas. <laughs> non. Euh... Je demande quand même pas mal de conseils à, des... à pas mal de mes proches, euh... aussi bien du milieu artistique que non, parce que des fois, quelqu'un qui ne dessine pas va être meilleur critique que quelqu'un qui dessine. Euh, parce qu'il peut très bien avoir l'œil euh, pour, euh, pour les détails. Euh... Ça ne m'arrive pas spécialement de ne pas savoir comment mon élu est, lu, on est terminé ou pas. Ou euh, bien ou pas. De base, je n'aime pas ce que je fais. Okay. Ça, c'est un principe de base, je ne suis pas forcément fan de ce que je fais. Euh... Mais pourquoi Si je le savais Hein, euh, pas, je ne sais pas je, ça a toujours été comme ça j'aime euh, bien mais... c'est voilà, pas non plus euh... <laughs> c'est pas non plus la fiesta quoi. Et, euh, mais j'ai appris à, à écouter ce que me dit ma communauté ok Une et communauté euh... oui. J'ai un syndrome de l'imposteur phénoménal et euh, j'ai pas mal de gens qui m'aident de ce côté-là. Euh, donc, bon, en général, euh, je montre à ouais, une petite, euh, une, un peu moins de 10 personnes euh, artistes ou non artistes. Et euh, des fois, on va me dire, bah là, peut-être que tu ferais mieux de faire ça, peut-être éclaircir ça ou ça, peut-être que là, voilà. Et si on me dit rien, c'est que bah, voilà je dois rester sur mon instinct de base qui est c'est bon, c'est terminé, c'est bien, voilà. J'essaie d'écouter mon instinct, plutôt que d'écouter okay. le syndrome. <laughs> ah ouais, bah celui-là, hein. on en parle souvent du syndrome. <coughs> oh oui, le propre de l'artiste. Euh... Oui, il y a plein de gens, comme beaucoup d'artistes, trop perfectionnistes. Euh... Baptiste qui dit laisser reposer une illus », ça va être pas mal aussi, carrément. Oui, ouais, ouais. ça c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Euh... Avant, je finissais une illustration. Alors avant, c'était il y a un an, deux ans. Et en fait, tout a vraiment euh, éclaté dans ma tête. Il y a un, c'est le fait de, de vraiment être acharné au travail. Je me suis rendu compte de, de truc. Mais avant, ouais, je finissais une illustration et euh, tout de suite, je la postais sur les réseaux en mode Oh, "Regardez ce que j'ai fait Et en fait, le lendemain, tu regardes ton réseau, tu fais Dis, "Mais c'est trop bleu Qu'est-ce que c'est que cette daube <laughs> C'est quoi cette merde <laughs> non, non, bah, c'est vrai que laisser reposer de base. Euh, là, toi, les illustrations que je fais pour euh, Tipeee et Patreon, je les fais le dimanche. Ce qui fait que j'ai toute la semaine pour euh, revoir un peu ce que je fais. Pareil pour les, tout ce qui est commission, euh, boulot pour pro. Je laisse toujours un certain temps de, de réflexion. Et euh, quelque chose que je fais beaucoup aussi, c'est euh, j'envoie la preview à quelqu'un de confiance. Parce qu'en fait, on n'a pas le même œil, que ce soit sur Photoshop. Et quand tu l'envoies, par exemple, je prends l'exemple de Discord. Quand tu l'envoies en MP sur Discord, mmh. le... Le, la miniature, tu révèles tous les défauts <laughs> que tu ouais, vois carrément. pas sur Photoshop. Oui, ouais, ça, c'est un super bon conseil pour, euh, pour ceux qui dessinent. Euh, vous, vous envoyez. En plus, on a tendance à se perdre dans les détails euh, toute la journée ouais, et ouais, tout. Ouais. Et en fait, moi, je m'envoie mes trucs sur téléphone et en fait, ils regarde sur mon téléphone. Et là, en fait, tu vois euh, les problèmes de composition, de lumière, de ligne euh, de force et tout. Et ça, ça aide vraiment à euh, changer de forme. Ou sinon, euh, vous vous levez de votre ordi et vous allez à l'autre bout de la pièce. Bon, si elle est à un mètre comme moi, c'est chaud, mais. Euh... <rire> <rire> mais prendre du recul, ça, ça marche bien. Prendre le recul, on ne va pas trop énerver ici non plus. <laughs> ouais. Mais ouais, souvent, euh, ouais, regarder en petit, mais je sais que même quand je dézoome sur Photoshop, je n'y arrive pas. Par contre, dès que je balance sur, euh, en MP sur un truc, je le vois tout de suite, en fait. Et, euh, et l'air de rien, ça aide beaucoup. Mmh. Carrément. Eh bien, bah, écoute, il nous reste quelques minutes. Déjà Et toi, qu'est-ce que tu as envie de nous raconter Sur quoi tu as envie de terminer Est-ce que tu veux nous montrer quelque chose d'autre Je montrerai bien l'artbook que j'ai fait, mais il est plus disponible à la vente. Bah justement, non. comme ça on peut, le, on peut le voir. Autre que Photoshop, je ouais. fais du tradi. Ah bah trop cool carrément, tu fais de, de, des trucs à l'encre. Et donc en 2019, 2019, euh, j'ai fait mon premier artbook. Mon premier projet fini euh, entre deux reprises de la BD, c'est-à-dire la première fois où j'ai arrêté et que je me suis dit, il faut que je la recommence. Je me suis dit, je vais faire une pause, prendre le recul nécessaire. Ouais. Et euh, j'ai fait un artbook en deux mois. <laughs> que voilà. Euh... Oui, oh, qu'est-ce qu'on voit bien en plus. Voilà. Donc, il s'appelle Ambre. Alexandre qui t'a mis un grand écran pour qu'on voit bien. Ah. <laughs> non, alors, le truc bien devant la tête, voilà. euh, du coup, Hardbook, que j'ai enfin fini de j'avais tiré en 300 exemplaires, euh, j'ai enfin fini euh, mon stock euh, il y a quelques, quelques jours. Euh, alors, attends, je vais vous montrer des euh, pas trop comment faire, hop. Donc c'est que des illustrations euh, à l'encre, euh, encre jaune euh, ocre, d'où le nom ambre. Il y en a, il euh, y en a 56 dedans. J'avais fait ça euh, sur, euh, ça m'avait bien défoulé aussi de faire que du line et euh, de la couleur comme ça à l'encre. Euh, J'avais fait ça ouais sur deux mois. Voilà. Ah oui, il y a une question de Rémi que je trouve hyper cool. Il demande euh, ⁇ ça ne te fatigue pas de dessiner toute la journée ?⁇ Parce que bosser comme un acharné, d'accord, mais tout le monde n'y arrive pas. C'est usant. Euh, <laughs> c'est vraiment usant, mais euh, pour arriver... Enfin, je ne sais pas trop comment font les autres, donc je ne vais pas donner le conseil de ⁇ il faut faire ça pour y arriver ⁇ mais euh, moi, c'est ma manière de faire pour... Euh, euh, Arriver où j'en suis en fait. Euh, je suis toujours sur mes réseaux, je suis toujours en train de bosser, je suis toujours sur mon Discord je, ou sur Twitch. Euh, et le fait de bosser, finalement, ça paye. Tu vois, je prends l'exemple de euh, ouais, 2020, ça, ça a tué pas mal d'entreprises, de, 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 de machins, de trucs, on s'en sort pas. Moi, ouais, 2020, c'est une année de folie. Euh, J'ai jamais aussi bien gagné ma vie en 2020 et 2021, ça s'annonce encore pire, encore plus quoi. Donc, euh... mais tout ça, c'est là parce que je bosse justement comme une acharnée. Et euh, dans quelques temps, je vais pouvoir dire, bah ouais, j'envie et vis bien quoi. Bientôt on va se casser de l'appartement euh... <laughs> 93. <laughs> et euh... c'est usant, c'est très très fatigant. Euh, on a, j'ai un rythme de vie complètement pourri, ça c'est clair. <laughs> non, on va pas Allez. se mentir. Euh, j'ai un rythme de vie complètement pourri. Euh, de toute façon, la vie sociale, euh, on s'assoit dessus pour un petit temps encore. Donc euh, là-dessus, voilà. Euh, et si je me permets de travailler comme ça, c'est bah déjà de deux parce que je le veux, et de deux parce que euh, je ne sais pas quoi faire d'autre. <laughs> je ne sais pas m'arrêter. C'est ma drogue. Toi, les gens qui vont se défouler euh, sur leur tapis de course, moi, je vais me défouler en faisant une illustration. <laughs> oh, ok, c'est cool. Bah, du coup, c'est encore une fois, il euh, faut trouver ce qui, ce qui nous rend contents. C'est ça. Et c'est ma technique à moi, c'est pas la technique... De, je sais que ce, cet acharnement de travail, euh, ça ne convient pas à tout le monde. Okay. Ouais, c'est ma manière de gérer les choses. Euh, je vais pas bien, paf, je dessine. Euh, ça va bien, paf, je dessine. Voilà. J'ai un hard block, hum, je dessine. <laughs> okay. C'est cool, c'est marrant. Franck qui dit le rythme, ça c'est au travail. Bah, bonjour à Franck. Non. <laughs> oui, bonjour Franck. Euh... Attends, je ne suis pas sur le chat de peut de... c'était de... pour ça. Oui, Marion qui dit les siestes de quelques minutes, ça aide. Est-ce que tu fais tes teams micro-sieste ou pas alors, euh, je suis team euh, sieste slash nuit. <laughs> quand je dis que j'ai un rythme de vie pourri, euh, rassurez-vous, je fais des siestes. Euh, ça m'arrive. Quand j'ai un coup de pompe, je n'hésite pas à les pioncer. Et souvent, je fais une sieste. Euh, des fois, je me réveille, il est 20h. <laughs> ah ouais Ah, ah oui, non, mais j'ai un rythme. Euh... Ah non, non, j'ai. Ok. YOLO <laughs> D'accord. Écoute, c'est intéressant, je trouve ça. Bon, c'est marrant de recevoir tellement oui. de gens euh, différents, je, en fait. Euh. Je, je m'écoute quand même pas mal. Hein. Ça, c'est encore assez... Bah, merci le Covid pour ça. Je m'écoute pas mal quand je sais que j'ai un coup de pompe. Quand j'ai la main qui me fait mal, euh, parce que j'ai déjà une entorse du pouce à cause du boulot, euh, j'hésite pas à m'arrêter, à me faire une journée canapé Netflix. Il euh, n'y a pas de souci. Hein. Mais, euh, mais très vite, je me fais chier. Donc très vite, je rebosse. <laughs> Bah écoute, parfait. Est-ce que voilà. euh, est-ce que aurais un mot de la fin, tu vois, un truc que t'aimerais partager euh, aux gens qui sont en train de regarder Bisous. un truc positif, tu vois, pour un attaquer petit la conseil. Maison, Le ouais. meilleur conseil que j'ai reçu de toute ma vie, c'est euh, un ancien d'Encama euh, qui me l'a dit. C'est euh, fais ce que tu as envie de faire. Ne le fais pas pour plaire aux gens, fais ce que tu veux faire, ce qui te plaît, et ça plaira d'office. Parce que voilà, à partir du moment où tu prends plaisir à faire quelque chose, ça se ressent. Et quand ça se ressent, les gens aiment. Voilà. Donc, ne cherchez pas, euh, faites pas la course au like, etc. etc. Euh, faites juste ce que vous avez envie, ce qui vous plaît par-dessus tout, et c'est tout. Et eh ben, écoute, parfait. Voilà. Moi, ça me... ça me va très bien. J'ai l'impression que euh, c'est quand même quelque chose qui revient euh, tous les jours avec tous les artistes. Donc, euh, bon, bah voilà. Euh, c'est la... important de se l'entendre dire. Hein. C'est pas évident, mais. Euh... Non, non, mais carrément. Si les gens le répètent, c'est pas pour rien. Euh... Ah oui, il y avait V4 qui dit euh, Tu as aussi des proches, une commis, une commune qui t'encourage à te reposer. Oui, donc, vrai que <laughs> je me fais engueuler est... par la commune des fois. <laughs> J'ai une modératrice Twitch et Discord qui me tape un peu. <laughs> Carrément. Eh bah, bien, écoute, tant mieux. Euh... Le programme de la semaine, parce que on a attaqué là aujourd'hui. Euh... Alors, Franck est pas là cette semaine. Bon, il est là sur le chat, donc je lui envoie des bisous. Mais du coup, c'est moi qui vais présenter toute la semaine. Euh, demain, on a Jean Loufuse. Ça va être du InDesign. Il est tellement cool Jean Lou. Euh, mercredi, on a Marie Boulanger, ce sera de la typo pour la masterclass Après, on a de la photo avec Emma Birski, super cool. Elle a pris plein de plein de groupes de rock et tout en photo. Et on va terminer sur du animation de logo avec Adria Compagnol et sur de l'after effect. Donc, on a vraiment de tout cette semaine. C'est hyper cool. Illustration, typo, euh, InDesign, motion design, ça va être hyper chouette. Donc, n'hésitez pas à venir nous revoir euh, les autres jours de la semaine. Euh, merci Kimé, merci à tout le monde qui était sur le chat. C bah, cool merci à des... vous pour l'invite, c'était chouette. Bah ouais, c'était cool d'avoir des nouvelles têtes, donc euh, n'hésitez pas à revenir. Merci me à la régie. Les, <laughs> les autres jours, <laughs> Qu'on ne voit pas. <laughs> euh, bah, merci à tous, je vous envoie plein plein de bisous. Euh, voilà le coup qui nous dit c'était top, merci trop cool. Je vous envoie plein de bisous et puis euh, à demain du coup. Allez, bisous.